Ici donc à Moanda, Télé 50 a fait des déplacements de Moanda avec naturellement toute la République parce qu'il y aura ici le gouvernement, les personnalités élues et cette province, les notabilités également. Donc nous allons faire cette émission en direct de Moanda aujourd'hui et demain parce que l'événement sera donc demain. Donc nous allons ici inviter sur ce plateau beaucoup de personnalités, en commençant par le ministre des tutelles lui-même, Kinkey Mulumba, qui est déjà sur place ici pour mieux préparer ces grands événements de demain. Et nous allons aussi recevoir les notabilités, les techniciens qui ont travaillé pour que la RDC soit connectée à la fibre optique. Alors, sans plus tarder, je vais justement inviter le ministre des tutelles, qui est déjà avec nous ici à Moanda. Monsieur le ministre, venez nous rejoindre sur ce plateau. Je vous vois en plein travail. Bienvenue. Bienvenue. Merci, installez-vous sur ce plateau qui est dressé dans le centre technique. On appelle ça centre d'attirage. Bienvenue d'abord. Bienvenue Alors, à parlez dans le Moanda micro. pour vous. Bienvenue à Moanda pour vous. C'est un cadre que vous connaissez parce que vous êtes venu beaucoup ici pour préparer cet événement depuis bien longtemps. Vous êtes l'homme le plus heureux ce soir. Écoutez, je suis venu. Ça, c'est ma quatrième visite. Vous savez que nous sommes à près de 800 km de Kinshasa. Oui. Et donc, c'est important. C'est ma quatrième visite. On est à 850 km de Kinshasa et on est ici, face à l'océan, si vous voulez, face aux horizons qui conduisent vers le monde. Donc, ça correspond parfaitement à l'événement que nous allons fêter demain. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est un grand événement. Pour vous, ministre des tutelles, lorsque vous avez pris les fonctions à ce ministère, nous étions pleins dans ce projet de la fibre optique. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de gens arrivaient même à désespérer parce que des rendez-vous manqués à rendez-vous manqués, on arrivait quasiment à se poser des questions. Finalement, le ministre Kinkey, qu'est-ce qu'il fait au ministère de PTT, NTIC, dont la fibre optique? Écoutez, je dois vous dire que 2 jours après ma prise de fonction au ministère de PTNTIC, et comme je peux dire que ma prise de fonction correspondait effectivement à l'investiture du gouvernement Matata et par l'Assemblée nationale, donc 2 jours après, 14 des pays signataires de l'accord WACS devraient basculer dans la fibre optique. Et 13 seulement ont pris le départ. Un n'a pas pris le départ, c'est le nôtre. Alors, 2 jours après, c'était cet événement-là, ça s'est passé en Afrique du Sud. Mais vous pouvez imaginer, bien sûr, que 2 jours après, je ne pouvais pas gérer le dossier. Ça faisait 4 ans qu'on se battait pour que le pays bascule dans la fibre optique. Bon, mais voilà, l'événement est arrivé. 1 an après, 1 an, 2 mois après, nous y avons travaillé sérieusement. Le gouvernement Matata a travaillé sous le leadership du président de la République. Et laissez-moi vous dire, la joie, exprimer la joie de la ville de Moanda, de la province du Bas-Congo, d'avoir à recevoir le personnalité, comme vous l'avez dit, le président de la République, le premier ministre, le membre du gouvernement, ici, dans cette belle ville côtière de Alors Moanda. nous avons effectivement parcouru ici la ville de Moanda, nous avons vu tout le monde en effervescence ici. Quand on parle avec les notabilités du coin, ils disent enfin nous avons cette connexion à la fibre optique. L'événement ici techniquement pour vous, Kinkey Mulumba, ça va nous permettre, nous quoi, Congolais, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que ceux qui nous suivent ici au Congo, même à travers le monde, via Télé 50, se pose la question, la fibre optique pour la RDC, c'est quoi finalement? Écoutez, la fibre optique, c'est d'abord le support qui va pouvoir transporter des données. Et ces données-là, si vous voulez, vous conduisent vers 7 milliards de personnes dans le monde, hein, qui sont, si vous voulez, les 7 milliards de personnes qui sont connectées à la téléphonie mobile. 7 milliards, c'est énorme. C'est la plus grande nation au monde, de loin, avant l'Inde et la Chine. 7 milliards. Et 3 milliards, si vous voulez, d'usagers de Facebook. C'est énorme. Et si vous voulez, 350 milliards de tweets jour envoyés par jour par la planète vers la planète. Avec la fibre optique, nous allons enfin rejoindre ce monde-là.
Et l'événement, c'est un tournant technologique, c'est un tournant économique majeur. Le président de la République en a fait une affaire personnelle. On se rappelle lorsqu'il y a eu ici le bateau qui avait amené le câble. Toute l'équipe s'est déplacée ici. On sait combien c'est très important pour le pays. On a des problèmes de connexion en RDC, Internet. Il y a aussi la télévision. Maintenant qu'on est connecté, ça veut dire que vous allez travailler avec d'autres membres de votre gouvernement pour que les autres technologies puissent suivre, pour que la fibre optique ne soit pas seulement cette connexion avantageuse, mais dont les applications doivent s'appliquer, enfin doivent se réaliser au jour le jour. Il y a énormément d'applications qui vont suivre et énormément d'ingénieurs disent qu'effectivement c'est le début de la révolution de la modernité, en fait, c'est ça la vérité. Écoutez, la fibre optique, comme je l'ai dit, c'est le support par lequel passent les données qui vont passer de manière sécurisée, de manière fiable, en temps réel, c'est ce qu'on appelle le haut débit. Avant, on n'avait pas le haut débit. Mmh. Aujourd'hui, on a le haut débit. Et puis, il faut dire qu'en termes de chiffres, du point de vue de l'Internet, nous sommes bien loin. Aujourd'hui, avec la fibre, nous allons pouvoir booster la consommation de l'Internet. Et nous allons booster, si vous voulez, nous allons être dans ces autoroutes de l'information et de la communication au même niveau, tout au moins dans un premier temps, en ce qui concerne le pays dans sa partie occidentale. Le pays donc va entrer sur ces autoroutes de l'information et de la communication qui sont les autoroutes du savoir, qui sont les autoroutes de la connaissance. J'ai signalé à ceux qui nous suivent que nous sommes également avec nos collègues de la télévision nationale qui vont prendre le signal tout à l'heure pour les informations en langue notamment et les journaux locaux que ça fait ici. J'aimerais quand même que le technicien qui a beaucoup travaillé peut nous rejoindre du ministère. Qui maîtrise, on va dire, la partie technique. Installez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Prenez le micro. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais que vous vous présentiez un tout petit peu, parce que le ministre, il a parlé politique, il nous a expliqué le bien fondé de la fibre. Mais techniquement, c'est quoi la fibre optique, finalement? Alors, la fibre optique, c'est juste un petit fil en verre. Oui. Et qui transporte de la lumière. On peut voir votre nom parce que c'est que vous nous suivez à la maison, enfin, chez mon nom, eux, c'est ici, Paul, au Congrès, partout. Paul Poutou, je suis directeur de cabinet de son excellence, monsieur. Mais, d'accord. Alors. Donc, la fibre optique, c'est un fil en verre qui transporte de la lumière. Et comme la lumière se propage à la vitesse inouïe de 300 000 km par seconde, dès que vous transformez l'information électrique, toute information en information lumineuse, vous profitez de la propagation de la lumière pour pouvoir transporter vos messages rapidement et en grande quantité partout dans le monde. Autrement dit, aujourd'hui, avec la vitesse de l'Internet que nous avons chez nous, du téléphone, de l'image, parfois les fichiers sont lourds pour qu'ils soient ramenés à destination. Avec la fibre, tout ceci va partir dans l'histoire. Oui, ça appartenait à l'histoire, effectivement, comme vous le dites si bien. Parce que aujourd'hui, nous faisons des téléchargements qui prennent parfois 4-5 jours. Oui. Mais ce genre de téléchargements, avec des très hauts débits que nous allons fournir maintenant avec la fibre optique, ça se réduire en quelques minutes. Alors, de demain ici, quand le chef d'État va venir, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Le ministre, il va nous expliquer sur le plan politique, peut-être par rapport à la structuration des choses, mais techniquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer sur quoi et ça va donner quoi? Le chef de l'État, techniquement, va basculer le pays à connecter physiquement le pays dans cette autoroute d'information que nous appelons le câble sous-marin WAX, du consortium WAX, dont le pays est membre, parmi les 14 membres, et il va nous basculer dans ce nouvel univers de la du haut débit et de la communication. Et après cela, maintenant, nous aurons à gérer comment distribuer à travers les pays. À travers le pays. Ouais. Alors, juste ça, c'est une question beaucoup plus politique. Hein, Kinke Mulumba, ceux qui sont chez eux à la maison se posent la question, bon, on va être connecté à la fibre optique, comment ça sera géré? Est-ce qu'il y a une équipe technique derrière qui assure tout ceci, la distribution à travers le province, la maintenance? Comment ça s'articule tout ça? Écoutez, pour demain, il s'agit d'une cérémonie. Il s'agit du baptême. Le baptême, on peut l'organiser avant, pendant
ou à la fin. Il se trouve que maintenant, le baptême arrive à la fin. C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a terminé tout le processus. Maintenant, on est au baptême. On aurait pu avoir pu l'organiser avant. Maintenant, on l'organise à la fin. Le chef de l'État va venir appuyer sur un bouton ou découvrir une plaque ou couper les rubans symboliques. En tout cas, il va y avoir un signal fort qui va permettre le basculement du pays dans les autoroutes de l'information et de la communication. C'est-à-dire donner le go-ahead du haut débit. Voilà. Alors maintenant, effectivement, il faut mettre en place une structure qui va pouvoir gérer, qui va pouvoir exploiter cette fibre optique. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, nous avons la fibre dans sa phase 1, Mwanda-Kinshasa, 800 km environ. Il y a la phase 2, Kinshasa-Kasumbalesa, environ 3000 km. Et puis, il y aura la phase 3. Donc, pour l'instant, il faudra mettre une structure de gestion, sans doute intérimaire, qui va s'occuper de gérer la fibre en ce qui concerne la phase 1, Mwanda-Kinshasa. Alors, je vais vous laisser aller à prêter votre costume pour demain, votre discours. Ceux qui sont à Kinshasa peuvent être tranquilles. Les préparatifs sont mis en place. Tout le monde sera bien accueilli ici parce que tout le monde aimerait bien vivre l'événement de Mekike Mulumba. Écoutez, comme vous voyez, toutes les lumières sont là, toutes les machines tournent. Nous avons fait des visites depuis hier qu'on est là. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Le gouverneur de province est arrivé. Tous les responsables provinciaux sont ici. Nous sommes prêts à recevoir toutes les notabilités, toutes les autorités, les hautes autorités du pays qui viennent ici. Merci beaucoup, Kinke Mulumba. On va être avec vous ici pendant quasiment 2 jours pour parler de cet événement continental parce qu'il ne nous restait que nous, la RDC, à se connecter à cette autoroute d'information de la communication. Il fallait bien le croire parce qu'il y a eu des rendez-vous qui ont été avortés. Ça créait une espèce de désespoir. C'est bien maintenant terminé. On peut être heureux. Le chef de l'État sera ici à Mwanda, dans le même site, sur ce même site où nous sommes déjà installés nos caméras. Nous, Télé 50, mais également la RTNC, à laquelle on va pouvoir céder ces satellites pour quelques minutes, les temps des journaux et parfois des informations locales. On va se retrouver un peu plus tard pour Télé 50. Vous continuez avec le programme qui vous est dédié pour aujourd'hui même. Je vais rendre l'antenne à Kinshasa depuis Mwanda, ici, Télé 5 ans donc, qui se déploie pour votre communication.